t'as fait? La petite sœur de Jérôme est morte, Lisette a beaucoup de peine. Je pouvais pas savoir, moi. Il m'a juste dit qu'elle était partie, sa sœur. Mais c'est pas une raison pour déguiser en fille. T'as 7 ans maintenant, Ludovic, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Ludovic? Un jour, je me marierai pour de vrai avec Jérôme. Quoi? Alors, maman avait raison. Tu m'as menti. Je t'ai déjà dit qu'un garçon, ça se marie pas avec un autre garçon. Enfin, parfois, mais... Mais je serai une fille. Écoute, je veux plus entendre ce genre d'ineptie. Tu es un garçon. Tu resteras un garçon toute ta vie. Quel têtu, hein? T'es bien le fils de ta mère, toi. Passe-moi le ketchup. Mais puisque je te dis que je savais pas qu'elle était morte, sa sœur. Mais la question n'est pas là. Et d'abord, pourquoi on ne coupe pas les cheveux à ce gosse? Mais sûrement, chérie, puis aussi, on pourrait le crucifier en place publique. Écoute, Anna, d'habitude, j'adore ton sens de l'humour, mais là, je le trouve un tout petit peu déplacé, hein. Alors, écoute, papa, il a quand même pas assassiné le pape. Toi, tu t'en mêles pas, d'accord? Je suis désolé, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Ludovic. Ludovic! Jérôme est le fils d'Albert. Albert travaille avec papa. Albert est un peu le patron de papa. Alors, tu ne te déguises pas en fille avec Jérôme. D'ailleurs, tu ne te déguises en fille avec personne! Bon, ça va, Pierre, je vais expliquer, il a compris. Alors maintenant, on tourne la page. Tourne la page, comme ça, hein? On n'imagine pas ce que ça peut devenir, on n'imagine pas! C'est mal ce que t'as fait, c'est très mal! Plus mal que mettre le chat dans la machine à laver? Bah, évidemment! Mais qu'est-ce qu'il est con, ça? Bon, c'est bon, il est pas sourd! Tu voudrais quand même pas que tout le quartier t'entende, si? Très bien, Anna. Puisque t'es si forte, je te laisse gérer tout ça. Mais après 12 ans de mariage, il m'étonne encore.